Salut la gang! Bon vendredi après-midi. Je vous souhaite une belle après-midi, sincèrement. Clarification sur quelques points, quelques vidéos que j'ai faites dernièrement. Parce que j'ai eu des commentaires sur une vidéo que je parlais de vivre le moment présent. Vivre au présent. Vivre au présent ne veut pas dire juste vivre au jour le jour. Au contraire, parce que je pense que l'espoir peut se projeter des choses positives dans le futur. C'est l'espoir et ça, c'est ce que ça crée en dedans de nous. C'est les plus belles émotions qu'il n'y a pas. Dans le futur, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on peut réaliser. Mais vivre au moment présent et de faire en sorte, comme là, quand j'étais avec un gars de Cinémobile. Salut mon chum. Puis, prendre le temps. Prendre le temps, ça a pris 3 minutes. J'osais avec une petite communication réciproque, le kit. Donc, profitez de ces moments-là, parce que ces moments-là passent une fois, ça je veux dire. Donc, c'est pas de se déresponsabiliser, parce que vivre au présent ne veut pas dire se déresponsabiliser du futur ou ce qui peut se passer. Au contraire, parce que si tu es vraiment là, dans le temps présent, en train de profiter et de vivre ce moment-là, tout simplement, avec une vérité concrète, tu profites de ce qui est là, puis tu es là en train de faire ce que tu as là. Donc, tu sais, des fois, on fait des erreurs dans une journée. Ces erreurs-là, c'est le fait qu'on n'est pas totalement là. On projette des fois où on pense à ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y avait ou qu'est-ce qu'il y avait hier, puis t'inquiète. Donc, tu sais, on a plein d'affaires en tête, t'inquiète. Donc, rester zen, rester dans le temps présent et de respecter ce qui est là et de favoriser à 100% ce que dans l'univers au moment où on le vit. Et c'est là qu'on projette les plus belles choses, c'est là qu'on crée les plus belles choses, qu'on observe les plus belles choses et qu'on réalise qu'on peut être heureux à chaque moment de notre journée en étant justement simple et transparent. Donc, passez une excellente fin de journée, sincèrement. Puis, garde, mon messenger est là, mon numéro de téléphone est là. Il y a des gens qui m'envoient des petits messages, des petits commentaires à gauche, à droite, des besoins d'un petit coup de main, d'un petit pep talk. Donc, je suis là pour ça. Ça me fait super plaisir. Demain soir, en passant, il n'y aura pas d'émission de radio. On a un petit contrat de temps. Ça va, on prend ça le 18. Puis, un salut principalement à ma locataire, Cynthia. Et bonne nouvelle aujourd'hui. Ça va bien aller. Puis, c'est ça.